légumes en fait qui est produit par un agriculteur bio qui est dans l'heure. Du coup, vous en pensez quoi? Ah bah c'est excellent. Ça vous plaît? Ultra sucré, trop bon. Ultra sucré. Ah oui, mais trop bon quoi. Ah. Mais bon. Et sinon, il est bon, pain, je peux vous en servir. Je peux prendre la bouteille. Et du coup, voilà, c'est du jus à partir de pommes bio. Je sais pas si vous savez si elle est pas bio, combien de fois à peu près une pomme est traitée dans l'année. Qu'est-ce que tu as sur l'idée? Dis ta chiffre. 4. À peu près. Et moi je fais sur moi. Encore plus. Un peu moins. En fait c'est 36 fois. Alors, une pomme au cours de sa courte vie, voilà, elle va être traitée 36 fois, elle va aussi être traitée pour être bien conservée, etc. Voilà, en bio, il n'y a pas de traitement avec des produits chimiques. C'est bien. Moi j'y vais principalement parce que c'est bon marché. Mais non, c'est bien, c'est propre. Ouais. Souvent c'est varié et moi ça me convient ça, par rapport au prix. C'est ce que ouais, je recherche. Il y a toujours des légumes, des féculents qu'on peut d'ailleurs avoir en rame. Ça c'est agréable. Et puis voilà, c'est plutôt copieux. Ouais. C'est assez varié, il y a quand même pas mal de choix en fonction de ce qu'on veut. Ah ouais. Ça, il y en a pour tous les goûts en fait. En général, ça a été varié, surtout au niveau des entrées et des desserts. C'est plutôt bon, ça me va bien. On voyait les yaourts qui sont bio, le pain qui était bio. Au niveau du pain, souvent c'est indiqué que les pains sont bio. Ouais, le pain, ouais, c'est écrit en haut sur des bannettes. Pour des étudiants, c'est bien, enfin, le niveau de rapport qualité-prix est vraiment imbattable. Pour 25, c'est cool. Ah bah pour moi, personnellement, je trouve ça génial, puisque, bon, enfin, c'est mon avis, mais je pratique beaucoup le sport, enfin, j'essaie de manger le plus sainement possible. Donc, le fait que le Crous propose des choses bio au même prix qu'un plat non bio, je trouve que c'est une très bonne idée. Et puis, il y en a, mieux c'est, quoi. Donc, ouais, c'est bon. Déjà, niveau goût, ça se voit direct. À base de lait de vache. Vous avez on parle de la crise, machin, on se dit en France, il y a pas de boulot, bah, ça fait du boulot pour des gens. Oui, bah, c'est déjà ça. En fait. Et c'est local la plupart du temps. C'est une bonne initiative. Étant donné qu'en plus, on est étudiant, on n'a pas forcément vers des produits bio quand on achète pour notre propre consommation. Donc, c'est vrai que ça va. Et puis, c'est des producteurs qui sont autour, donc en plus, ça peut vivre. Je pense que, contrairement à ce qui est reçu, il n'y a pas que des frites et des pâtes, c'est pas mal de légumes, mais de produits bio, comme vous l'avez dit, donc c'est assez diversifié à ce niveau-là. Puis, pour le prix que c'est, honnêtement, c'est pas cher. C'est pour ça que je viens ici, parce que enfin, si je mangeais chez moi, déjà, je mangerais tout le temps la même chose, des pâtes et du riz. Et, voilà, enfin, je ne pourrais pas me faire cuire de poulet ou des légumes tous les jours, tous les midis. Donc, c'est bien. Bah, moi ça me parle parce que je le fais déjà personnellement, donc ça peut m'aider à venir manger au Crous. On peut parler d'aide, mais en tout cas ça incite. Ouais.